bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 42 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire et à manger, plongez-vous dans le noir. Et on retrouve cette fois-ci Abby à Constantin, oui, c'est ça, ou Constantine, je ne sais plus, Constance, à Constance, ouais. Voilà, Constance. Qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Et je suis avec le petit Lev qui m'accompagne. Leur objectif, c'était de rétablir la société. Mais bon, il y a un tas de moyens pour y parvenir. Et comme d'habitude, bah écoutez, n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, ça fait plaisir, hein, on approche de la fin de toute évidence. Une seconde. Et n'oubliez pas non plus bah, de kiffer, hein, comme vous le pouvez, en 4K, 60 FPS. On s'attend pas vraiment à si trouver un groupe de résistants ici. On avait toutes sortes d'avant-postes. Plus ou moins grand. C'était le meilleur moyen de se cacher de l'armée. On est arrivé en Californie, là, non? 24 quelque chose, 4. On va dire que c'était un. Ok. Tiens, 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 hop, une brique. On emmène toujours une brique avec nous. Hey, j'entends quelque chose. Ok. J'ai tué un démon. Non, t'as tué personne, frérot. Ah si, il l'a tué, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Allez, prêt. Ça dégage, ça c'était gratuit, merci la brique. Bon, j'ai loupé la première balle, je suis un petit peu deg. Mais ça va, it's ok de ouf. Par contre, clairement, j'ai perdu une très grosse partie de mon inventaire. Et on ça, est tranquille. C'est un peu dommage. Allez, peut-être. On y va. Oh, ça va, sois un peu positif, frérot, merde. Pas vrai, ça. Bon, écoutez, on va fouiller. Hein. C'est pas vrai. Yep. Merci. Voilà. Putain, j'ai utilisé toutes mes balles à côté, mais je suis terriblement claqué. Je suis un claqueur aussi, en fait. Je suis une claquette même, frérot. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est vrai. Rincé de ouf. Reste sur tes gardes. Allons trouver cette maison. Alors. Bien joué, mon pote. Voilà, au moins on se remet full life. Là, y'a rien. Ça, on prend. Bon, bah écoutez, excusez-moi de cette piètre performance si pour commencer l'épisode. Si jamais les pistes qu'on a ne mènent à rien, tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas. On part d'ici. Ok. Et pour aller où? Vers l'ouest. Pour voir ce qu'il y a là-bas. C'est donc normalement là, non? Chiffre pair et chiffre impair. Je sais pas si ça marche comme en France, pour le coup. Mais pour moi, 24-25, c'est forcément là. Hein. Je vois pas de numéro. Ouais. C'est forcément celle-là. Tu crois pas? Si. Allez. Voyons voir. Par le garage. On y va, on se parti. Oui, mon frère, le pistolet et le fusil à pompe, c'est plutôt correct, hein, ça va, c'est pas le pire des deals. Ils auraient pu me laisser avec... quoique l'arc était vraiment stylé, l'arbalète, pardon, était vraiment stylé pour le coup. Alors, on va par où? Dis-moi tout. Ça fait limite plaisir de jouer à Bi aussi, hein, pour on être franc avec vous. On dirait que c'est à l'abandon. Continue à chercher.
Ils ont peint l'intérieur pour que ça ressemble à l'extérieur, mais les plantes, ça ressemble pas à ça. Disons que c'est comme ça que les enfants imaginent l'extérieur. Dans l'ancien monde, les chambres d'enfants étaient souvent décorées comme ça. Mon père m'avait peint une jungle de toutes les couleurs. Yara aurait adoré ça. J'en doute pas. Bon, bon, bon. Très, très bien. Hop, on va fouiller ceci. Ce qui est bien pour le coup, et là c'est un peu... c'est que Abby, elle est passée à autre chose en fait. Elle est passée à autre chose. Elle avait juste allé en Californie. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Je rêve, vous êtes optimiste. J'essaie de me rendre utile. Il vient de péter une bouteille. Il vient totalement de péter une bouteille devant moi. Allez, viens, lève. Ça, je reconnais. Bon, c'est une petite piscine, ça. C'est une piscine d'amateur. Ok, peut-être là. Je vois pas ce qu'il peut y avoir, en fait, dedans. Qu'est-ce que je cherche exactement, là? Tout est vide. Ouais, c'est l'impression que ça me donne. Alors, bougez pas. On peut au moins faire ça. Par contre, c'est bien triste. Putain, je peux pas faire grand-chose, en vrai. J'ai pu crafter quelques balles. Oh, sous l'œil, ça. Kit médico rapide. Voilà. On peut encore se custom la gueule. Très très bon ça. Oula, range chat. Fais pas la con, Abby, c'est pas le moment d'en foutre. Attends. Ça, vous savez que hop, j'en ai rien à péter des bouteilles, moi c'est les briques. Tu te rappelles quand on était dans une piscine? Oh, tu parles de notre chute vers une mort quasi certaine? Moi, ça me dit vaguement quelque chose. Si ça peut te consoler, moi aussi j'ai cru qu'on allait mourir. Non. Ok, c'est tout, juste un nom. Bon, on cherche quoi en fait là? C'est quoi cette merde? Cascade? Ok, c'était bien, je suis revenu ici. Y'a vraiment rien? Je sais même pas ce que je cherche. Ok, c'est une grande maison en tout cas. Ça sert à rien. Comme ça, personne se douchera ici. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais c'est pas vrai! Je crois qu'on a fait le tour, Lev. Non, attends. T'as trouvé quelque chose? Ah ouais, le boss! Des traces. Non, logiquement, c'est de l'autre côté, hein, frérot. Pousse-toi. Dommage que t'es un peu con quand même. Hein. Eh oh! Ok. Je serai toi, Abby, je vérifierai. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. J'ai bien peur que t'aies raison. Ok, ok, ok. Ils étaient pas trop mal installés, finalement. Ils ont passé un bout de temps ici. C'est la douche, ça, non? Mmh. Attends, lève, on apprendra la base de la propreté un petit peu plus tard, mon frérot. Hein. Panneau solaire. Ah. Ok, bien ça.
Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici. Tu vois un indicatif quelque part? Un quoi? C'est une suite de chiffres et de lettres. Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? À vous. Y a quelqu'un? C'est quoi ça? C'est des fréquences. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole? J'en sais rien. Quelqu'un me reçoit? À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici Abby de Santa Barbara. À vous. À vous. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Allô, ici Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, répondez, s'il vous plaît. Répondez-moi. Salut, Abby. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara? 24-25 Constance. On nous a parlé de cette base, mais il n'y a personne ici. On cherche des Lucioles. Je suis une Luciole. T'étais en poste à quel endroit? J'étais à l'avant-poste de Salt Lake. Qui dirigeait l'avant-poste? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Si je m'y attendais. On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien? On est environ 200 maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Oui, vous avez raison. Comptez-en deux de plus. Comment on vous rejoint? L'île de Santa Catalina. Allez vers le grand bâtiment avec un dôme à Avalon. On vous trouvera. Ok. Alors, à très bientôt. Terminé. On vous attend. Bonne chance, Abby de Santa Barbara. Terminé. Viens, on retourne au bateau. Ok. Bon. Je le trouve étrangement safe, d'accord. Le gars. T'avais raison. T'as dit quoi, pardon? Pourquoi tu me fais toujours répéter quand je me trompe? Parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que ça n'arrive presque jamais. Bizarre, non? Je suis le seul à l'avoir trouvé un peu... suspect. Ah Stop! Stop! Ne tuez pas maintenant! Attachez-la! Approche! Fais voir ta blessure! T'es prêt? Hé, hey, tu fais quoi? Attends! Putain de merde! Ça va aller. Occupe-toi du gosse. Ne le touche pas! Je vous ai interdit de le toucher! Non! Après, t'as fait ça avec Joël, hein? Oublie pas, Abby, oublie pas! C'est une sacrée presse, pas vrai?
T'es allé où ensuite ? Deux, cinq, Constance. Ouais, ça doit être ça. Bon, c'est parti. Aïe, 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 ça va être terrible, ça va être terrible. Tommy m'a un peu déçu quand même dans sa réaction. Moi, elle a pu attendre. Eh ben, en marchant, en marchant. Tommy m'a un petit peu déçu quand même. Oh, par contre, là, j'ai toutes mes armes et ça, c'est très, 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 très bon. Ok, ça me plaît. Ça fait longtemps, vraiment longtemps, plus que j'ai pas joué Ellie. Donc là, ça me fait plaisir de retrouver tout le stuff. Bon, là-bas, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. En vrai, on va peut-être pas perdre trop de temps. On va monter. On est sur les chemins donc de Abby. Le groupe qui l'a capturé, ils ont l'air un peu sauvage. Donc à voir ce que ça peut donner. C'est Abby qui est passé par là ou Kenny? Apparemment Kenny. Est-ce que... Ah ouais, je suis pas full stuff. Est-ce que vous croyez que j'ai lâché le jeu avec exactement ça comme inventaire? Ce sera incroyable. Ce sera... Le but c'est de monter et retrouver la rue. Et de toute évidence, c'est pas par là. Ouais, j'ai ça un se petit présente peu plutôt bien. J'ai un petit peu d'empathie pour le coup pour Abby. C'est vrai qu'elle prend sa mère aussi. Et vu qu'on sait ce qu'elle a vécu, bon, t'es en mode c'est chiant hein, pour elle, clairement. En plus, bah finalement, elle a pas été bien méchante. Elle aurait pu, comme je disais lors du précédent épisode, largement tuer Ellie et Dina. Et elle l'a pas fait en fait. Donc. Pour le coup, elle prend vraiment sa mère entièrement gratuitement. Bon, Lev, il a pris une bonne patate. Ça fait plaisir à la famille. C'est pas méchant, il méritait. Il a pris une patate, il s'est pris la porte du garage. Ça, c'est cadeau, hein, frérot. Hein. C'est nous qui régalons. Mais, pas plus, hein. Il méritait pas plus non plus. Attends, c'est quoi, c'est un labyrinthe ou quoi, les gars? Oh, les gars, j'ai pas payé pour ça, moi. Hein. On n'est pas dans les calinques. J'ai mon arc et tout. J'ai mon arc. Ah ouais, 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 ouais. C'est ah, mais parti. Peut y avoir des affrontements de ouf là alors, non? Peut y avoir des affrontements de ouf. Ok. Ok. Alors attendez. Ah putain, je crois que j'ai récupéré exactement le nombre de pilules que j'aurais pu garder pour le coup. On verra. Wait and see, je me pose encore un peu trop de questions. Alors! Bon, alors. Mais ça bluffe. Je suis là. La direction de Santa Barbara, c'est... par là. Donc, Abby est passée par là? Normalement, ça devrait être vide, alors, non? Ça devrait être... Non, mes couilles, hein. Je le vois d'assez loin en vrai pour le coup, ça c'est plutôt cool. J'aurais bien voulu récupérer ma petite flèche des familles, mais bon. Apparemment, c'est pas l'ordre du jour. Ah putain. Ok, donc on va peut-être encore pouvoir croiser un atelier. Très bien. Je sais que j'ai dit que je t'attendrais ici, mais c'est risqué. Les crotales sont partout dans les bois. Je ne peux pas les laisser m'attraper. Je t'attendrai là où je t'ai raconté la blague avec la balle de ping-pong. Ton rire me manque. J'espère que tu vas bien. Les crotales. Ça se prononce comme ça ou les crotales par exemple? Oh, ça joue.
Bon. Comme ça. Alors, ça va pas m'aider. Une seule putain d'utilisation. Une seule putain d'utilisation. Ça va. Ok. Ne cédons pas à la panique. Ok, on va soigner calmement, c'est pas grave. Allez, en route. Alors, c'est pas grave. C'était complicado. Et j'ai utilisé 2 balles quand même de pompe. Et c'est pas rien parce que le pompe, ça tabasse de ouf. Je les voyais pas, c'était incroyable. Comment ça se fait que je les voyais vraiment pas pour le coup ? Ok. Très sympa ce quartier en tout cas. Alors. Faut aller par où ? Mes amis, mes aïeux, par ici peut-être ? Ou par ici ? Ok, je vois. Et par la même occasion, on va se faire un petit silence des familles. Je sais pas, ils étaient par là, non ? C'est bizarre. Aucune idée d'où ils étaient. Très belle maison, hein. Frérot, t'abuses. Qu'est-ce que tu branles là-haut, putain ? Ok, va falloir rentrer là-dedans, je pense, hein. On va pas se mentir. Si on arrachait quand même un putain de claqueur sur un toit, c'est que ça va littéralement claquer du boule à l'intérieur. C'est la vraie jungle. Je suis très concentré, les amis. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Cascade. Okay. J'espère que je peux passer par là. Non, on va pas changer. On va garder mon marteau, il a été custom à la main. Le jeu est tellement, mais tellement gourmand. Franchement, merci Naughty Dog. J'ai rarement été absorbé pendant aussi longtemps. Quand on pense être à la fin du jeu, on n'était qu'à la moitié. Quand même plutôt incroyable. CBB73, dernier modèle d'une longue série de guerriers synthétiques. Le CBB est conçu pour livrer des combats jugés trop dangereux ou cruels pour l'homme. Quand l'Alliance Future le capture sur Titan, ses chercheurs testent sur lui leur technologie d'éthique artificielle. Devenu un allié fiable, CBB mène les missions les plus périlleuses de l'Alliance Future, rappelant
à ses compagnons qu'il est fiable et remplaçable. Cependant, lorsque la tension monte, ses bébés luttent pour ne pas redevenir une machine à tuer implacable. Et c'est un héros neutre. Encore une carte, ça c'est la famille, ça régale. Pas pourquoi on s'arrêterait de collectionner, faut pas abuser non plus. Ok, bon. Une fois descendu, c'est terminado. Hein. D'accord. Pour le doute. Ok. Et dans le doute, j'arrache tout, vous le savez. Hein. Quoique j'avais des flèches explosées. Ah oh, allez, c'est rien, c'est la rue. Allez, c'est rien, c'est la rue. Bon, on se soigne encore. On prend quand même notre pain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop, comme ça, on est large. On repart un petit peu à zéro. Je te préviens, Abby. Si tu t'es fait buter par des infectés. Ouais, mais fais pas la maline. T'as quand même bien cassé la gueule, ma petite Ellie. Hein. Mais après, je comprends. T'as la pression. Tu revis l'horreur. L'horreur vécue. Et ça, c'est normal. Y a rien de plus normal. Mais quand même, faut pas qu'on fasse trop les fous. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? En vrai, franchement, moi, le problème, c'est que je suis un têtu. J'aurais fait comme Ellie, en fait. Donc, j'aurais insisté pour lui niquer sa race. Parce que je sais pas ce qu'elle a vécu. Mettez-vous à la place de Ellie, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Et on s'en branle de ce qu'elle a vécu, d'ailleurs. En vrai, capacité du pont, c'est pas sympa, non? Capacité, hop, let's go. Ok, et on est pas mal, allez, nous abordons. Voilà, on peut mettre 6 cartouches, ça sera très bien comme ça. Ça, on prend, ça, on prend, ça. Évidemment, on prend. Je peux ou pas? Non, c'est chaud. Ah, il manque du scotch, dommage. Prochaine fois, peut-être. Putain, c'est gigantesque cette vie-là. Là, on n'a rien. Je vais fouiller les deux gros baraques, on sait jamais. Que dalle, dommage. Pas de chance au tirage non plus. Ça, on a fouillé. Et là-haut, on n'a pas encore été là-bas. Et ça, on en vient. Bon, je suppose que la sortie, c'est ici. On aurait pu éviter les fights, mais hey, au diable l'avarice, hein. On a commencé quand même... Bon, je suis... Il doit bien y avoir une rue dans le coin. Non ? J'ai l'impression d'avoir fait le même trou, là. Non, s'il a dit ça, c'est qu'on n'est jamais venu ici. Ok, Sugoi. Non, on n'est jamais venu ici. Très bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Santa Barbara se trouve en bas. 24, 25, Constance. Alors ! 24, 25, Constance. Eh bien, on a encore du chemin à faire, mine de rien. Ça va swinguer. On sait jamais, sur un malentendu, il y a peut-être une carte. Écoutez, les amis, on va pas tarder à s'arrêter là, mine de rien. Ça y est, épisode 42, on n'est toujours pas à la fin. À chaque fois, je crois, cette fois-ci, qu'on approche de la fin, mais pas du tout. Donc, vous savez quoi? Je vous dis, portez-vous bien, et on a une belle descente, à mon avis, qui nous attend. En attendant, on va s'équiper avec ça. On va se régaler.
Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Forcément, bah. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.